Bah, re tout le monde, c'est le Major Pingu, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour la suite de Starfield. On continue d'explorer, on vient d'arriver à New Atlantique, par contre apparemment j'ai vu qu'on avait une soute dans le vaisseau. Non, c'est les toilettes. Et qu'on pouvait peut-être tirer notre stuff là-dedans, parce qu'on avait récupéré beaucoup d'armes, beaucoup de trucs pour du coup, bah, vendre. On choose, ah oui. Mais du coup on est un peu trop lourd. On est un peu gros. Ok. Hop, New Atlantis, on y va. Hey, Pasco, bah t'es pas là? Laisse-moi deviner. C'est encore le protocole Indigo? Et c'est quoi ce protocole? Ok. Nous allons vous scanner lorsque... En tout cas, c'est beau. C'est très beau. Très beau. Ils ont bien fait ça en tout cas. L'entreprise de transport de New Atlantis, l'Etna. Elle permet de se déplacer gratuitement dans la ville. Ah, oh, dites-moi, c'est bien, j'aime bien. Directement dans le district du Thames. Ok. Ok. Bon, hop. On y va au Thames. Un jour, je quitterai New Atlantis pour de bon. Le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant. En tout cas, c'est ce que dit Barrett. New Atlantis tire l'essentiel de son énergie de l'hydroélectricité. Ok, c'est par là-bas. Ouais, ça marche comme ça, du coup, pour l'O2 et le CO2, quand on over... quand on overcharge, en fait, notre O2, en fait, quand on en consomme trop. Nous sommes dans une ville de l'Union coloniale. Mais Constellation est une entité neutre, et ce depuis sa création. En fait, on charge en CO2 et du coup on peut prendre des dégâts après, en fait. C'est une seconde barre qui charge, donc en fait on a une double barre d'endurance. Même si qu'il faut que je vende là, en fait. Il faut que je vende mes affaires. Nous voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous avez accumulé trop de matière et atteint la charge pondérale maximum. Capitaine, tout le monde arrive ici, capitaine. Attends, est-ce que j'ai de l'équipement? Je voilà. Me ferai une joie de porter ce que vous me confierez. Inventaire. Arme, tu vas en prendre un petit peu parce que ça commence à être lourd. Tout stocké.
Et ça devrait être bon. Normalement. Ouais, c'est bon, quand je marche, je ne suis plus trop lourd. Il semblerait que nous ayons de la visite. Bienvenue dans Constellation. Nous avons beaucoup à nous dire. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami? Pourquoi êtes-vous ici et pas lui? Je vois. Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. Ah, c'est du barrette tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone? Oh, je t'aime pas. Walter. Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici, avec l'artefact. Merci, Matteo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord? Que s'est-il passé lors de son extraction? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose? Intéressant. Similaire à la description qu'en avait faite Barrette, avec moins de fioritures. Là, vous entendez ça? Vous me croyez maintenant? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catri, si vous pensez que nous allons croire. Attendez, j'ai un problème d'affichage là, hop. Au compte de fées. Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table. C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ. Oh, c'est ça. Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Et cette énergie qui les relie. Aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction. Ça prend du calme. Respirez. Vous allez avoir une attaque. Ce n'est pas la seule. S'ils s'imbriquent, cela signifie qu'il y en a d'autres. Créé par une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Catri, toujours 2000 crédits pour notre petit pari? Et comment, Walter? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire? Vous avez envie de vous mettre au travail? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers? Oui, moi je veux voir. Prenez le temps de vous installer. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Ah, et tenez, c'est la moindre des choses. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack? Ouh. Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Je veux. Mais faites attention à votre tête. Clé de la loge, constellation sac. 8000 crédits, oui, quand même. À niveau 3, on est passé de... Ouais, niveau supérieur, supérieur. Voilà, sac pourvu d'un jetpack. Ah. Vous voulez vous mettre au travail? Nous allons devoir mener un véritable travail d'enquête. Les artefacts sont relativement inertes une fois extraits de la roche. Cela signifie que des personnes peuvent se les échanger sans savoir de quoi il s'agit. J'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange. La plupart du temps, ce sont de fausses alertes, mais j'ai un signalement intéressant de l'avant-garde de l'UC. Ok. J'étais comme vous quand j'ai commencé. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air quand vous savez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez. Et vous pourrez en apprendre davantage sur nous. Je vais vous accompagner pour cette mission. Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact ou que cette piste s'épuise. Rendons-nous au TAMS et contactons le bureau de recrutement de l'avant-garde, là où travaille mon contact. Encore une chose.
Je me fiche de savoir qui vous étiez avant, ou ce que vous faites hors de ces portes, tant que vous n'attirez pas la sécurité de l'UC jusqu'ici. Chaque membre de Constellation a ses responsabilités, compris ? Excellent. Compris. Allons faire un tour dans les rues de New Atlantis, si vous le voulez bien. Je suis à votre service, capitaine. Oh, il m'a bouffé la moitié de mon... Maintenant que vous faites partie de Constellation, je suis à votre service, sans protocole restrictif. Vu que vous vous retrouverez dans un espace non réglementé, il faudrait envisager le développement d'avant-postes d'exploration au cas où il vous faille construire une base de recherche. Capitaine, je vais rejoindre le poste qui m'est assigné. Ok. Ok, ok. Donc toi, tu vas là et tu te mets en frontière. Ouais, t'as que ça. Ok. Ok, ok. T'es confirmé. On va regarder tout ça parce qu'on n'a pas vu la loge en fait. Quand il y a eu de nouvelles découvertes en notre absence. C'est zen là par contre, là c'est cool. Là c'est le truc de... Ok. Labo. Y'a quelqu'un. Et nous on dort où en fait? Ok. Ok. Où est-ce qu'on doit aller du coup? Bah oui, on doit aller au vaisseau. Par contre, on vient vendre. Vendre, j'ai dit. Bon, on va retourner au vaisseau, on verra bien. Oula, j'ai quand même des pertes de SPS. C'est un peu terrible. Quartier commercial. Ah, on l'a oublié. Où est-ce qu'on vend?
dans les locaux d'Infinity LTD. Malheureusement, je ne suis pas autorisée à... Infinity est énorme, carrément énorme. J'aimerais bien que la barmette du Viewport arrête de se plaindre. On explore, faut qu'on trouve un endroit où vendre. Demain, je m'occupe des taxes. Trop bien. Bienvenue chez UC Distribution. Avant tout, je dois vous informer que les plaintes officielles ne peuvent être déposées tant que le système de retour client ne sera pas remis en ligne. On m'a dit qu'il devrait être opérationnel d'ici 15 jours, mais vous savez ce que c'est. Pardon pour la gêne occasionnée. Par ailleurs, si vous venez pour un compte d'entreprise, on m'a assuré que les livraisons seront bientôt rétablies. Oui, bien sûr. Acheter, mais là, je peux vendre aussi, voilà, arme. Ouais, sauf que du coup, on m'a baisé aussi parce que... Parce que je voulais vendre des trucs et j'en ai donné pas mal à l'autre. Bon, en fait, on va vendre ça parce qu'on a celui-là avec le jetpack et tout en même temps. Bon, eh bien, revenez me voir si vous avez besoin. Alors, compétences, on avait une de plus à donner. Commerce, encore de quoi, évidemment. Dans les sciences, on va se mettre au reste. Kit de soins, ça peut être intéressant, ouais. Allez, on peut l'augmenter. Ok. Bon, maintenant on peut augmenter le truc, donc on l'a augmenté. Je sais pas si c'est la bonne idée ou pas, mais. Au moins, c'est fait. Quartier du Thames. Attendez, je vais regarder un truc, les paramètres ça me plaît pas là. J'ai oublié de relancer le vidéo. Votre citoyenneté auprès de l'UC. D'accord. On peut pas me reprocher d'essayer, hein. Après tout. J'ai pas encore renoncé à convaincre Sarah de se réengager. C'est notre petit jeu. Il demande, je dis non. Voilà ce que j'ai pour vous. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Moara. Il patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Sol ? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas ? C'est un martien de naissance. Pas comme si ça intéressait qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde. Et qui correspond à la description de Sarah. Sol est un grand système, mais un vieux comme Moara devrait régulièrement faire escale à Sidonia. Par faire escale, tu veux dire traîner dans les bars ? Y a pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles. Pas de problème, je ferai tout pour Sarah. L'UC n'oublie pas les siens, même les enfants prodigues. Rien que ça. Je plaisantais pas avec cette histoire de recrutement. Venez me voir si vous changez d'avis. L'UC est une bonne mère. Ok, bon, on verra ça plus tard. La chute a été longue.
Ah, c'est bon, ça me fait gagner quelques secondes. Ça vaut bien le coup. J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles, et pourtant j'ai encore la nausée dans les transports. J'ai toujours aimé cette statue. Elle est belle. Je me demande ce que l'artiste voulait représenter. Bah, pas grand chose. Merci de nous. Apparemment, elle ne représente rien. Ok, c'est bon à savoir. Que puis-je faire pour vous, capitaine ? À monter, c'est un bon début. La petite question, on a combien de masse ? On a beaucoup de masse encore. 5 armes, c'est normal. Faire quoi de Maître Pontin ? Ah, ok, on peut juste attendre, ok. Pour sortir, on fait comment ? Acteur. On fait comment pour sortir ? Au secours ! C'est bon. Allez, chef de pilote. Où est-ce qu'on va? Le mec là il est grillé par terre là normalement. On peut faire pirate, on peut tout faire quoi. Ok. Est-ce qu'il faut aller les explorer, ok. En poste scientifique, en poste civil. Ok, mais c'est pas ça qu'on veut, nous c'est retourner au système. Pour le système, on va même aller à la galaxie pour aller dans Sol. Sol qui est là-haut. Et on peut sauter. Pas d'armes de toute façon. Hop, par contre du coup je vais en mettre un petit peu. Au cas où. Ah Sidonia. On est parti. On scanne, R. L'eau, du chlore, du plomb. Y'a rien.
Ouais, bah, pour l'instant, c'est bien, mais... à voir, on peut pas faire grand-chose en tant que tel. Et Vasco, il est où? Juste en bas, tout l'écho. J'ai dû passer plus de temps à explorer la surface de Mars qu'à parcourir Sidonia. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voyons voir. Comment ça, la protection du bordel est épuisée? Ouais? Ouais, et donc? Ah, Soot, c'est là. Ok. On peut stocker tout là-dedans. On va tout stocker en tant que tel. Et on va réduire notre poids au max. Merde. Ah, oh, c'est pas grave. Je vais venir le reprendre et on est à 27 sur 140. C'est ça qui est bien. Ok, par contre... Ah oui, parce que je suis en chemise et je suis porte nue. Et vous m'êtes nu? C'est quoi ce bordel? T'es nu. Je l'ai quand même pas mis dans la soute, ma tenue. Hop, Soot. Si, j'ai mis dedans. Ok. Alors, combinaison, tac. Et le sac à dos avec la jetpack, tac. Par contre, il faut que je dorme. Ouh là là. Ou que je me détende. Attendre une heure. Voilà. Allons voir, est-ce que ça aura suffi à retirer le malus? Apparemment, ça va. Bonjour, capitaine. On va aller jusqu'au bar parce que l'objectif est après on va s'arrêter là.
savez depuis combien de temps on voyage? Combien on a dû payer pour arriver sur ce caillou rouge? On nous a dit qu'on trouverait du boulot. Écoutez, je comprends, mais on vient d'attribuer les derniers postes. Je crois que quelques contrats se terminent à la fin du mois prochain. Peut-être qu'ils ne seront pas reconduits. Vous vous foutez de moi? J'ai une femme avec une maison. On ne peut pas attendre 2 mois pour travailler. Mars est riche en ressources. Bon, on arrive au bar. En tout cas, on a vu qu'il y a eu un accident il y a moins d'une heure. Parlez clairement ou fermez la. Je vous propose de lui parler la prochaine fois. C'est un petit peu... un petit peu pute, mais bon. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine, bye!